Le ministère palestinien de la Santé déclare qu'au moins deux Palestiniens ont été tués et sept autres blessés par les forces israéliennes dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée. Deux des blessés se trouvent dans un état critique. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les forces israéliennes ont pris d'assaut Jénine depuis plusieurs directions samedi en début de soirée et tirant des balles et encerclant les hôpitaux publics et les quartiers généraux de la société du Croissant Rouge. Et dans le cadre d'un cessez-le-feu humanitaire de 4 jours conclu entre Israël et le Hamas, plusieurs dizaines de camions ont livré de l'aide au nord de Gaza samedi. Il s'agit du plus important convoi d'aide humanitaire à atteindre la région pilonnée pendant un mois et demi depuis le 7 octobre.